Hallelujah. So my prayer has been that. Ma prière, c'est ça, ça a été ça. That the end of this time that I've shared with you, c'est qu'à la fin de ce moment, you would step into partager avec a greater version, c'est que vous allez devenir of yourself. Vous allez devenir une you meilleure. Would move into another dimension. It's my first time. C'est ma première fois. Okay. Again. You would move into a higher dimension of yourself. Vous allez devenir une meilleure vous allez bouger dans une meilleure dimension de votre de vous-même. And a greater anointing. Et sous une onction plus grande. I'm saying that to say this. Je dis cela pour dire autre chose. Rod Parsley said. Rod Parsley said. Rod Parsley a dit. An atmosphere. Une atmosphère. Of expectation. Où on is breathing ground for miracles. Aïe, aïe. An atmosphere of expectation is breathing ground for miracles. Alors, une atmosphère où on attend des choses permet aux miracles de venir. And so what you come to expect from God, donc ce que vous êtes venu attendre de Dieu, is what God will show up with. C'est ce que Dieu va venir, va vous montrer, va venir avec ce présent-là. And so I believe that for you. Donc je crois en cela pour vous. So you have to come to receive. Donc venez pour recevoir. Anybody want to receive that? Il y a quelqu'un qui veut recevoir? Amen. Amen. And so I don't know if they read the text. Nous allons lire. We did not read. Okay, didn't read the text. So you can just, you don't have to read it. Just go to your Bible. So Exodus chapter 14. Prenez vos Bibles dans Exode chapitre 14. A very popular portion of Scripture. C'est un verset très connu. I'm not going to read it. He's going to read. You're going to read it? Yeah. Exode 14, à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Phi à Hiroth, vis-à-vis de Baal Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas cela que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Amen. Amen. Anyone ever heard this portion of scripture already? Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce passage? Si vous avez déjà lu, levez la main. But you never hear it from me. Mais vous n'avez jamais entendu de moi. Now I'm that kind of preacher. Donc je suis ce genre de prédicateur. You gotta help me preach to your neighbor. Je vais vous demander de prêcher pour vos voisins. I'm gonna make you preachers tonight. Je vais faire de vous des prédicateurs ce soir. Is that all right? Ça va? All right. Okay. So first thing, touch your neighbor. Say neighbor. Donc la première chose, touche ton voisin et dis-lui voisin. Say neighbor, you're looking nice. Voisin, tu es joli. But I'm looking nicer than you. Mais je suis plus beau que toi. And in case that wasn't true, et dans le cas où ce n'est pas vrai, turn to the other neighbor, tournez-vous vers l'autre voisin and say, neighbor, et dis voisin, you are my second option. Tu es ma deuxième option. You're looking good, tu es beau, but I'm looking better than you. Mais je suis plus beau que toi. Amen. Amen.
The Bible tells us here in this portion of scripture. La Bible nous dit ici dans ce passage. And we know the story. Et nous connaissons l'histoire. But before we get to the real meat of the message. Mais avant que nous allions dans le centre du message. I must give you a backdrop. Je dois vous dire ce qui se passe how avant. We arrive at this junction. Comment nous sommes arrivés jusqu'à Is ce all point. Right? C'est OK? So we have here a Donc, people of God. Nous avons ici le peuple de Dieu. Who were not really the people of God. Qui n'étaient pas vraiment le peuple de Dieu. Far more, they didn't behave like the people of God. Et encore plus, ils ne se comportaient pas comme le peuple de Dieu. They went into Egypt. Ils sont allés en Égypte. As sons of God. En tant que fils de Dieu. But became slaves to Egypt. Mais ils sont devenus des esclaves des Égyptiens. And they were in bondage. Et ils étaient prisonniers. For over 430 years. Pour plus de 430 années. If you know your Bible, si vous connaissez votre Bible, your Bible teaches la Bible enseigne that 40 years que 40 ans, constitute a generation. 40 ans constituent une génération. So which means ce qui signifie 10 generations que 10 générations of God's people du peuple de Dieu had a thread and a memory of who God was. Ne savaient pas et n'avaient aucune mémoire de ce que Dieu était. Although they had a memory of who God was, même s'ils se souvenaient de ce que Dieu était, they still had the ability ils avaient toujours la capacité to call upon this God. Ils avaient quand même la capacité d'appeler Dieu. I know that. Je le sais. Because when God called Moses, parce que quand Dieu a appelé Moïse, God said to Moses, Dieu a dit à Moïse, will tell my people, va dire à mon peuple I have seen their tears, que j'ai vu leurs larmes and I have heard their cry. Et j'ai entendu leurs pleurs. And the time of deliverance has come. Et le moment de délivrance est arrivé. However, malgré cela, I believe je pense that for 10 generations, que 10 générations who just had a memory qui avaient juste une mémoire was, de qui était Dieu, their faith, leur foi, their theology, leur théologie and their belief et leur croyance has diluted étaient diluées with time plusieurs fois and polluted ont été même polluées with association. Avec de l'association, avec des associations. I know that also, je sais que aussi because à cause when Moses went up to meet God in the mountain, quand Moïse est allé voir Dieu sur la montagne, and the people of God wanted to build an image of who God was, et que le peuple de Dieu voulait construire une image de ce que Dieu était, they built an image of an association of where they were. Ils ont construit une image. Ils ont construit une image de ce qu'ils étaient associés de ce que Dieu était. Because they built an image of a golden calf. Parce qu'ils ont construit l'image du veau d'or. And that is the power of association. Et ça, c'est la puissance de l'assimilation, de l'association. Having said that, alors que je dis ça, you gotta understand something. On va comprendre quelque chose. That most theologians believe, quelque chose que tous les théologiens that croient. Book of Numbers and Exodus, que le livre d'Exode et de Nombres, is a book of seasons. Ce sont des livres de saisons. Combien, understand that God is a God of seasons? Combien d'entre vous comprennent que Dieu est un Dieu de saisons? There are two words for time. Il y a deux moments importants. In the Greek. Il y a deux mots importants dans le grec. Chronos and Kairos. Chronos et Kairos. Chronos is hours, seconds, minutes, weeks, months, years. Le chrono, c'est les secondes, les heures, les secondes, les minutes, les heures, les jours et les années. And Kairos is seasons. Et Kairos, c'est les saisons. And the Bible, the author of Ecclesiastes, et dans Ecclésiaste, dans la Bible, teaches us nous enseigne that everything que toute chose is governed by time est gouvernée par le temps and by season. Et par les saisons. There's a difference il y a une différence between a cycle entre les cycles and a season. Et une saison. Cycle is designed. Les cycles sont désignés to keep you in bondage. Pour vous garder dans un emprisonnement. Alors que la saison, seasons, however, alors que la saison are designed est fait to transition you pour vous permettre de faire une transition another level. Sur un autre niveau. And a lot of Christians il y a beaucoup de chrétiens are in a cycle qui sont dans des cycles with a delusion avec l'illusion that they're in a new season. Qu'ils sont dans une nouvelle I saison. Am here. Je suis ici to break that theology. Pour briser cette théologie. Because your God parce que votre Dieu is a God of seasons est un Dieu de saisons and not cycles. Et pas un Dieu de cycles. Cycles keep people in bondage. Les cycles gardent les gens esclaves. But season gives you freedom in Christ. Mais la saison vous donne la liberté en and Christ. The children of Israel
Et le peuple d'Israël était dans des cycles over 430 years. Durant 430 années. And now God is saying to them, et maintenant Dieu leur dit, I'm about je suis sur le point to shift you de changer into de, a new season. De vous mettre dans une nouvelle saison. Anybody want to go to a new season? Est-ce que quelqu'un veut aller dans une nouvelle saison? Hallelujah. Hallelujah. So that is where we are now. The Bible teaches us. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. La Bible nous enseigne. What we just read. Dans le texte que nous avons lu. That when the armies of Pharaoh. Que lorsque l'armée de Pharaon. And the officials of Pharaoh. Et les officiels de Pharaon. Realize what they have done. Ont réalisé ce qu'ils ont fait. They said. Ils ont dit. We need back their services. On a besoin de récupérer nos affaires. So and now. Et maintenant. Pharaoh chose handpicked. Pharaon over 600 chariots. Pharaon a choisi plus de 600 chariots, chars. To go and retrieve God's people. Pour aller et récupérer le peuple de Dieu. That's a sermon right there. Ça c'est un sermon juste lui tout seul. Because where you have been. Parce que là où vous avez été. Will always come to retrieve you back. Va toujours venir vous récupérer. To bring you back from et pour where vous you came ramener from. Là où vous étiez. And so the goal is, donc le but est, for you to keep moving, pour vous de continuer à bouger. And so now the armies of Pharaoh were surrounding the people of God. Donc l'armée de Pharaon maintenant est en train d'encercler le peuple de Dieu. And they begin to cry out to Moses. Et ils ont commencé à se plaindre auprès de Moïse. And said, Moses, Moses. Et ils ont dit, ah, Moïse, Moïse. Are there no graves in Egypt? Il n'y avait pas de... Quand même, en Égypte, c'était... Où menez-nous ici pour nous mort, alors? All of a sudden. Soudainement. They have selective memory. Et, subitement, ils ont une mémoire sélective. They know experience in freedom in Christ. Maintenant, ils sont libres en Christ. But then they remember the bricks and the straw. Et ils se sont souvenus... ils ne se souviennent pas des briques et de la paille. And my goal here tonight. Et mon but ce soir... is to denounce every enemy. Et de dénoncer chaque ennemi. That wants to come and claim you back. Qui veut venir et vous réclamer. And hold you hostage. Et pour vous garder otage. To make you abort your assignment. Pour vous rendre encore plus esclave. But you will fulfill. Mais vous allez remplir. Your purpose. Votre but. Your destiny. Votre destinée. As a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. Because there are too many Christians. Parce qu'il y a trop de chrétiens. Who go back. Qui retourne instead of moving forward, au lieu d'avancer as the Apostle Paul would say, comme l'apôtre Paul dirait forgetting those things, oubliez ces choses which are behind, qui sont derrière and pressing on, et avancer towards the mark, vers le of but the higher calling, pour le meilleur in appel Christ Jesus. En Christ Jésus. They were surrounded ils étaient encerclés by the enemies. Par l'ennemi. What do you do qu'est-ce que vous faites when you are surrounded? Lorsque vous êtes encerclés what do you do qu'est-ce que vous faites when you're surrounded? Lorsque vous êtes en carnalité, par la charnelle, par les vices et pour les vices qui sont dans vous, qui veulent vous reprendre dans un endroit de prison, là où il y a la liberté en Christ. And so, I asked the pastor to play a song. I don't know if he played it. I don't think he played it. J'ai demandé au pasteur de jouer un chant. Nice song that we je use. Sais pas. We had si the same series surrounded in our church. C'est une série. On a eu ce moment encerclé dans notre église. And, c'est un chant. And the song simply says, "This is how I choose to fight my battles." Et le chant dit, voilà comment j'ai choisi de combattre ma combattre. This is how I choose to fight my battles. How many understand that your strategy determines your outcome? Combien d'entre vous comprennent que votre stratégie définit votre résultat. If you are a Bible scholar, you will decipher that truth. Si vous étiez, si vous lisez votre Bible, vous allez voir comment c'est vrai. Because David was a mastermind. David était un homme puissant. When it comes to spiritual warfare. Quand il était là pour la bataille spirituelle. He was so strategic. Il avait tellement de stratégies. With ambushments. All right. He was very, very, very good at sneaking up and overcoming his opponents. He was very, very good at ambushing his enemies. See, he was very strategic in the art of war. Il était très bon dans l'art de la guerre. That's why we read in Psalms 144. Et c'est ce que nous lisons dans le psaume 144.
When David said, quand David a dit, teach my hands to war, enseigne ma main à la guerre, and my fingers to fight, et pour mes doigts de se battre. Because we are engaged, parce que nous sommes dans, in spiritual warfare, dans une guerre spirituelle. How many understand? Combien d'entre vous comprennent that the enemy que l'ennemi has a bounty on your back? Il prépare des choses pour vous. Contre vous. All right, what she said? Let me see how the Bible teaches it. Laissez-moi vous montrer comment la Bible l'enseigne. Paul said in Romans chapter 8. Paul dit en Romains chapitre 8. For thy sake we are killed all day long. We are counted okay, as a sheep. Pour ton bien-être éternel, nous sommes tués toute la journée et nous sommes comme des agneaux livrés en pâture. You know that scripture? Yes. Oui, c'est vous connaissez. Vous connaissez la scripture aussi, c'est bon. Qui connaît right. Sa visage? Ouais. Il l'a trouvé. Ouais, c'est so ça. Which means ce qui signifie the enemy que l'ennemi is always after us est toujours après nous as God's people. En tant que peuple de Dieu. Il est toujours and there is more activity et il y a plus d'activité taking above your head au-dessus de nos têtes than under your feet. Que en-dessous de nos it's pieds. Called spiritual warfare. Ça s'appelle la guerre spirituelle. The enemy has a bounty on you. He's after you. L'ennemi a un plan contre vous. Il a un plan contre vous, c'est bien ça. So tonight, donc ce soir, from the word of God, donc de la parole de Dieu, I'm going to teach you one principle, je voudrais vous enseigner un principe. How to overcome comment combattre the enemy comment résister, when comment, he surrounds comment, you. Comment vaincre l'ennemi lorsqu'il est contre vous. The Bible tells us la Bible nous dit that when the armies of Pharaoh quand l'armée de Pharaon came against God's people, est venue contre le peuple de Dieu, they cried out to God. Ils ont crié à Dieu. Touch your neighbor, prayer. Et touche ton voisin et dis-lui prière. Is your strategy? Et la prière est ta stratégie. Prayer is your strategy. La prière est ta stratégie. This is how we fight. Voilà comment nous allons nous battre. We wrestle. Nous, not against flesh and blood, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, but against principalities and powers, mais contre les puissances et les dominations. Spiritual wickedness in high places, les choses spirituelles qui sont très haut. Rulers of darkness of this present age, contre les dominations. So we fight through prayer. Donc nous luttons à travers la prière. We fight through prayer. Nous prions à travers la prière. And when you use the weapon of prayer, et lorsque vous utilisez les armes de la prière, brings cela emmène toujours la victoire. Because as a believer, parce que en tant que croyant, you don't fight for victory. Vous ne luttez pas pour la victoire. You fight from a place of victory. Vous luttez d'un lieu de victoire. Because that's why we sing, et c'est pour cela que nous chantons the English version, what you show tonight, la version anglaise. Victory belongs to Jesus. La victoire est à Jésus. He already went to the cross. Il a déjà été à la croix. Conquered sin, death, hell, and the grave. Il a déjà conquis la mort. And won the victory for us already. Et il a déjà vaincu. Il a déjà gagné pour nous. All we have to do. Tout ce que nous avons à faire. Exercise our authority. C'est de exercer notre autorité as children of God, en tant que peuple de Dieu and by faith, et par la foi and call upon this God, et appeler, nous devons appeler ce and Dieu he will et il fera give us victory il nous donnera la over victoire our enemies. Contre nos ennemis. Prayer la prière is our greatest est la plus grande weapon arme of warfare. De la guerre. And the Bible teaches us so many examples in prayer. Et la Bible nous enseigne beaucoup d'exemples avec la prière. And the first one I want to talk to you about. Et le premier que je vais vous parler. Is a man called Daniel. C'est un homme qui s'appelle Daniel. We all know Daniel. Vous connaissez tous Daniel. And the lions then. Et les lions. But you never hear it from me. Mais vous l'avez jamais entendu de moi. We are told in Daniel chapter 6. On nous parle dans Daniel chapitre 6. That the king issued a decree. Que le roi that do not pray or call upon their God. A décrété que vous ne devez pas prier et appeler un autre Dieu. But we all know the story. Mais nous connaissons toute l'histoire. Daniel called upon his God. Mais Daniel a appelé son Dieu. And so the king had no choice. Donc le roi n'avait aucun autre choix. But to throw Daniel into the lion's den. Que de mettre Daniel dans la fosse aux lions. And so when Daniel was thrown into the lions den, donc quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, you all know the story, et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? But you never hear it from me. Mais vous l'avez jamais entendu de moi. I believe je crois what happened on the lions den
que ce qui s'est passé dans la fosse lionne, c'est un résultat of what Daniel did before. De ce que Daniel avait fait avant. Because as long as you kneel before God, parce que autant que de fois que vous vous agenouillez devant Dieu, il va se mettre debout pour vous. And so Daniel was kneeling before God. Donc Daniel était agenouillé devant Dieu. And when he was thrown into the den, et lorsqu'on l'a mis dans guess la fosse, who showed up in the den for him? Demandez-vous, dites-moi qui est-ce qui the était God dans la fosse. Was kneeling before. C'est ce Dieu pour lequel il s'agenouillait. And your Bible teaches us, et la Bible nous enseigne your adversary, que votre adversaire, your enemy, votre ennemi, he is not a lion, il n'est pas un lion, but he is like a lion, mais il est comme un lion, Roman, en train de brugir, seeking, cherchant whom he may devour. Qui est-ce qu'il va dévorer. In other words, en d'autres mots, your enemy, votre ennemi is looking for a prey, cherche une proie. But he failed to realize, mais il n'a pas compris that Daniel, que Daniel was a man of prayer. Était un homme de prière. Hence he couldn't become a prey. Et il ne pouvait s'empêcher de prier. So in English, it's a play on words. In English, it's a play on words. In English, P-R-E-Y is like a prey to the enemy, but P-R-A-Y. So once you could P-R-A-Y, you wouldn't become a P-R-E-Y. Je ne peux pas traduire, mais je peux expliquer. En anglais, P-R-A-Y, ça veut dire prier. Donc, quand tu pries, tu ne peux pas devenir une P-R-O-I-E. Donc, il y a un jeu de mots avec proie et prière. D'accord? Proie, prière. Si tu pries, tu ne peux pas devenir une proie. Prie, proie, prie, pro. Voilà. C'est ça. All right. She did it. Yeah. So, because Daniel was a man of prayer, parce que Daniel était un homme de prière. When he was thrown into the den, quand il a été jeté dans la fosse aux lions. And these lions were hungry. Et que ces lions avaient faim. The lion's thought was, les pensées du lion étaient human steak rich. Human, oh wow, des steaks humains. Food. Nourriture. And so they were hungry. Donc ils avaient faim. But because of who Daniel was, mais à cause de qui était Daniel, when the lion tried to devour him, quand le lion essayait de le dévorer, the real lion of the tribe of Judah showed up. Le vrai lion de la tribu de Judas s'est montré. In the lion's den. Dans la fosse aux lions. Hence, et à ce moment, the enemy, l'ennemi, could not devour, ne pouvait pas dévorer Daniel. Daniel. That is what happens. Et c'est ce qui se passe. When you pray, lorsque vous priez, the lions that surround you, les lions qui vous entourent, God surround those lions. Dieu les entoure. And so the enemy has no power. Donc ils n'ont pas de puissance. When you exercise, lorsque vous exercez your prayer, votre prière, and faith, votre foi, in the God that you serve, dans le Dieu que vous servez, if you believe that, give God a praise. Alors, si vous croyez cela, applaudissez le Seigneur. Another example, very quickly. Un autre exemple rapidement. Is 2 Kings chapter 6. Deux Rois chapitre 6. We all know the story of Elisha and the servant. Nous savons l'histoire de Élisée et le serviteur. C'est Élisée. All who know the story, give me a wave. Vous connaissez? But you never hear it from me. Vous l'avez jamais entendu de moi. We are told in 2 Kings chapter 6 that Elisha and his servant came out of the cabin. C'est Élie. Attendez, je vérifie. Il y a Elisha, Eliza, Elisha. Elisha. C'est Élie, si je ne m'abuse, c'est ça? C'est Élie, ouais. Came out from the cabin. Il est sorti. And when they stepped out, et lorsqu'il est sorti, the Assyrian army, il y avait l'armée syrienne qui était en train de les tuer. Élisée, j'avais raison. Was gripped with fear. Et il était, alors quand il est sorti, l'armée de Syrie l'entourait. But Elisha, mais Élisée, knowing who he was, sachant qui il était, and the God that he served, et connaissant le Dieu qu'il servait, he prayed. Il a prié. And his prayer was, et sa prière était, Lord, Seigneur, open the eyes of your servant. Ouvre les yeux de ton serviteur. And the Bible said, et la Bible dit, the eyes of the servant, que la Bible du serviteur was open, était ouverte. And he saw, et qu'il a vu, the angels of heaven, les anges surrounded, entourant the Assyrian army, l'armée de Syriens. And he said, et il a dit, those that are for me,
Ces anges sont là pour I'm moi. More than those that are against me. Et ceux qui sont pour moi sont plus forts que ceux qui sont contre moi. So that is what happens. Et c'est ça qui s'est passé. When you pray. C'est ce qui se passe quand vous priez. Quelle que soit l'armée is surrounding you, qui vous entoure, God will Dieu fera. Surround that army, il va encercler cette armée. Et nos ennemis, il va les encercler. Et la victoire is assured. Est assurément là. But hear this. Mais écoutez cela. Right now we are doing a study on spiritual warfare at our Bible study. Dans mon église en ce moment, on fait une étude sur la guerre spirituelle. And we are studying about angels and the seraphims and the cherubims and their assignments and what they are assigned to do. Oui, d'accord. Right. Et on parle des séraphins, des anges et les chérubins et tout ce qu'ils doivent faire, leurs fonctions. And I came across something very interesting that I want to share with you. Et je suis arrivé sur une chose qui est très intéressante que je vais partager avec vous. Anybody interested in it? Vous voulez savoir de quoi il s'agit? You paying extra? Vous allez payer un petit no, peu plus? Okay, non, okay. je plaisante. That's just a humor. C'est de l'humour. I need to pay attention to this. Écoutez bien cela. It could change your perspective. Cela peut changer vos perspectives. About your prayer life. De votre vie de prière. Bear with me. Combien d'entre vous savent que la Bible dit Dieu a créé les anges? And we are told of two archangels in the Bible. Et on nous parle de deux archanges dans la Bible. Michael, Gabriel. L'archange Michael et Gabriel. Michael was trained for war. Michael était entraîné pour la guerre. He was wired to fight. Il était vraiment là pour la lutte, la bataille. He was built and designed for battle. Il a été fabriqué, mais fait pour la guerre. Right? Okay? Oui. And then we have Gabriel. Gabriel is seen in scripture. Et Gabriel est vu dans les écritures. As more of one that will bring news, or good news. Comme celui qui va emmener les nouvelles et les bonnes nouvelles. So I just say it like this. Donc je dis comme cela. Michael is in charge of military. Michael est en charge du militaire. And Gabriel is in charge of media. Et Gabriel se charge des médias. But don't miss the point. Mais ne faites pas de confusion. They were built to fight. Ils ont été faits pour lutter, pour se battre. They were designed for war. Ils étaient fait pour la guerre. I'm being redundant because I want it to rest in your mind. Je fais une redondance parce que je voudrais que ça reste dans vos têtes. Ils ont été fabriqués mais fait pour la guerre. Right, that's Gabriel and that's Michael. Gabriel et Michael. All right, come young man, can I borrow you a little bit? Viens, je peux te viens mon frère. Come young man. Viens Sébastien. We have Michael, we have Gabriel. I renamed on a, them today. Voilà les deux. On a Michael et Gabriel. We have Michael and we have Gabriel. They were built for war. They ils ont été faits pour la guerre. Designed to fight. Ils sont là pour se battre. Right? Okay? Right. Our opposition is the enemy, Lucifer. Lucifer est la personne qui est notre ennemi. Quick question. Une question rapide. Who is Lucifer? Qui est Lucifer? An angel. He was also an archangel. Il était aussi un archange. But mais he was built for worship. Mais il a été construit pour l'adoration. I need somebody to pretend I'm Lucifer. I could use my protégé. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour représenter Lucifer. Je vais utiliser mon protégé. On va imaginer que c'est Emmanuel. C'est Michael, c'est Gabriel. So we have Michael, we have Gabriel who are built for war. Là c'est la guerre. Michael et Gabriel, c'est la guerre. We have Lucifer who could only worship. Et on a Lucifer qui ne peut que adorer. OK? When he rebelled against God, lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, and he got kicked out of heaven, et qu'on l'a shooté hors des cieux, guess who you think? Pensez, guess who you think Lucifer took with him? Imaginez-vous qui est-ce que Lucifer a emmené avec lui? Choir boys, les petits chanteurs de la chorale, les chœurs. You'll get what I'm going? Voyez ce que je veux dire? You get where I'm going? Vous savez où je vais?
So if Lucifer, c'est Lucifer, si Lucifer get thrown out of heaven, qu'on a jeté dans, and he dropped guys who could only sing, on l'a, oui. Si Lucifer, qui était celui qui faisait que de l'adoration, on l'a shooté dehors, et quand il est parti, il a emmené avec lui tous ses copains de la chorale. D'accord? And on this side we have, et là, de ce Michael côté, and Gabriel, on a Michael et Gabriel, who are built for war, qui sont construits pour la guerre. Guess who is going to win the battle? Qui va gagner la bataille? Every time kingdoms collide. Chaque fois qu'il vient, qui va gagner la bataille? It seems a no match. Il y a pas de match là, il y a pas de too much. Non, too much c'est unmatched. It's an unmatched battle. Ce n'est pas une bataille équitable. Because they were built for war. Parce que eux c'est la guerre, ils sont construits pour they la guerre. They were not built for war. Ils n'ont pas été construits pour la guerre. But you have access to these guys. Mais vous avez accès à to fight on your behalf against pour se battre these contre lui. Let's put on together for Emmanuel and merci à Emmanuel, Sébastien et Melvin. You get it? Vous avez compris? Vous avez compris? And beloved, this is the access that you have. C'est l'accès, c'est le ce que vous avez à votre disposition lorsque vous priez. You have access to the angels of heaven. Vous avez un droit illimité à la guerre là. Because that is what happens in 2 Kings chapter 6 we just read. Et c'est ce qui se passe dans 2 Rois chapitre 6. We just read. When Elijah, when the servant's eyes were opened, he saw the angels quand, of heaven. Quand Élisée a vu toute l'armée qui l'entourait. Ready to war on his behalf. Et il a vu toute cette armée d'anges qui étaient prêts à se battre pour lui. As a matter of fact, en fin de compte, if you continue to read, si vous continuez à lire, you will see Elisha prayed, vous verrez que Élisée a prié would smite the army, afin que les anges puissent, with blindness. Les anges puissent toucher l'armée d'aveuglement. And the armies were smitten with blindness. Et l'armée a été touchée de cécité. Ils ont arrêté de voir. Could I make an announcement to you tonight? Est-ce que je peux faire une petite annonce ce soir? That such authority, une si grande autorité, is not only reserved for Elisha. Ce n'est pas réservé seulement à Élisée. But it's reserved for every one of us who call upon the name of Jesus Christ. Mais c'est réservé à chacun d'entre nous qui appelle le nom de Jésus-Christ. That when you pray, quand vous priez, and you are dispatched the angels of heaven, vous pouvez pousser, éloigner les puissances. They begin to war. Lorsque vous priez, que vous appelez les anges de l'Éternel, ils commencent à se battre. On your behalf. Pour vous, en votre nom. Anybody believe that? Est-ce que vous croyez en cela? That's your neighbor, that's the authority that you have. Dites, mon voisin, c'est l'autorité que tu as. Too much of us, our angels yawning. Trop d'entre nous, trop de personnes parmi nous, nos anges à nous sont en train là, oh de bailler. We don't put them to work. I on ne leur donne pas du travail. I also did a further study. J'ai fait aussi une autre étude. And discovered. Et découvert. That angels. Que les anges. Find their assignment. Trouvent leur mission. When you pray. Lorsque vous priez. Woo. That's heavy. C'est dur, hein? But here's the thing. Mais écoutez cela. Your prayer, vos prières, must align, doivent être dans la ligne, dans la volonté de la parole de Dieu. Because the Bible says, parce que la Bible dit, angels hearken, les anges entendent, to the voice or the word of God. Ils entendent et ils font ce que la parole de Dieu dit. So you can pray a curse on your neighbor. Donc vous pouvez, si vous voulez, maudire votre voisin and expect the angels to execute. Et vous attendre que les anges le fassent. Your prayer must align with the will and the word of God. Vos prières doivent être dans la ligne droite de la volonté et de la parole de Dieu. God taught me something. Dieu m'a montré, m'a enseigné quelque chose que je voudrais vous enseigner. We have to learn to stop. Can I just be real? Est-ce que je peux être vrai? Je peux être vrai avec vous, je peux vous parler, non? Hein? We have to learn to stop plagiarizing prayer. Aïe, 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 plagiarizing. On doit arrêter. On doit arrêter de faire du plagiat avec nos prières, des copies. Go ahead. Right. You understand?
Oui, oui. Non. When I know God saved, quand je suis venu à l'Évangile, quand j'ai été sauvé, I knew nothing about Jesus. Je ne savais rien de Jésus. I didn't know Jesus well. Je ne connaissais pas Jésus. And so when I came into the church, donc quand je suis venu dans l'église, I began to see people praying. J'ai commencé à voir les gens prier. And you hear people say, plead the blood. Et j'entendais les gens verse le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. I don't know what it means to plead the blood. Moi je savais pas ce que c'était que d'invoquer le sang de Jésus. But I plead the blood too. Mais Manteca dit le sang de Jésus aussi, hein. Until one day, jusqu'à ce qu'un jour, God stopped me, Dieu m'a arrêté, and he said to me, et il m'a dit something that changed my prayer life. Quelque chose qui a changé ma vie de prière. I want to give you that nugget. Je voudrais vous dire ça. C'est gratuit, hein? He said to me, I appreciate pleading the blood. J'apprécie que tu puisses déverser le sang de Jésus. You need that in your life. Tu as besoin de ça dans ta vie. But I want you to start. Mais je veux que tu commences playing my promises. À déclarer mes promesses. I never understood. Je n'ai jamais compris what God was saying to me at that time. Ce que Dieu me disait à ce moment-là. Until after I began to study the word of God. Jusqu'à ce que je commence à étudier la parole de Dieu. Because when you study the word of God, quand vous étudiez la parole de Dieu, Jérémie 1:12 says, dit, God will watch, Dieu regardera over his word, sur sa parole, that he will perform it, afin qu'il le fasse. Wow. So when you pray, donc quand vous priez, the word of God, la parole de Dieu, over situation, quand vous priez la parole God de Dieu, watches sur over that word, Dieu voit ses paroles, and he brings it to pass, et il les fait se réaliser. Not only Jeremiah 1:12. Il n'y a pas seulement Jérémie 1:12. But the author of John says, mais l'auteur de Jean this dit, is the confidence that we have, c'est la confiance que nous avons, that anything we ask, que tout ce que nous demandons, anything we ask, quel que soit ce que nous demandons, anything we ask, quel que soit ce que nous demandons, according to his will, selon sa parole, according to his will, selon sa volonté, according to his will, selon sa parole, we know that he hears, nous savons qu'il l'entend, and when he hears, et quand il entend, he answers, il répond. That's why you gotta learn, c'est pour ça que vous devez apprendre how to plead, comment and pray, déverser the word of God. Comment déverser et déclarer because la parole you pray de Dieu. The word of God, parce que lorsque vous déclarez la parole de Dieu, and le priez la parole know, de Dieu, vous parlez de la volonté de Dieu. And don't you know, et vous savez, that was Jesus's prayer, c'était la prière de Jésus. Thy will be done, que ta volonté soit faite on earth, sur la terre as it is, comme au ciel. In heaven, comme au ciel. And that's our problem in our prayer life. Et ça, c'est le problème dans nos vies, dans Some nos vies de prière. Don't know what the will of God is. Certains d'entre nous ne savons même pas so ce que c'est que la volonté de la volonté ou la parole de Dieu, parce que et nous ne pouvons pas la déclarer sur les cieux, sur la terre. You cannot get more to the will of God than His own word. Vous ne pouvez pas connaître plus la volonté de Dieu que sa parole. This is His will. Voici sa volonté. This is his word. Voici sa volonté. And if you learn to pray this, et si vous arrivez à déclarer, à prier cela, sa parole, vous allez toujours avoir les résultats. I say that to say this. Je dis cela pour dire cela. When you pray the word of God, lorsque vous déclarez, lorsque vous priez la parole de Dieu, strategically, de façon stratégique, angels move. Les anges bougent. And you begin to get results. Et vous commencez à avoir des résultats. That is the power, c'est la puissance of prayer, de la prière. That whatever is surrounding you, de quel que soit ce qui vous entoure, God surrounds that. Dieu l'encercle aussi. Would you like to come to that place in your life? Est-ce que vous voudriez venir dans ce lieu dans votre vie, que ça devienne comme cela dans vos vies? That anything or every enemy that surrounds you, que quelle que soit la chose, quel que soit l'ennemi qui vous entoure, that God begin to be an enemy to your enemies. Que Dieu commence à être l'ennemi de vos ennemis. And that is what God promised in His word. And est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a promis dans sa parole? That God will be an enemy to your enemies. Qu'il sera l'ennemi de vos ennemis. And whatever enemy is against your life, et quel que soit l'ennemi qui est contre votre vie, I want to announce to you tonight, je voudrais vous annoncer ce soir, you begin to pray.
Commencez à prier. You begin to fight. Commencez à vous battre. You begin to teach your hands to war. Commencez à enseigner à vos mains de se battre. And engage in spiritual warfare. Et de vous mettre dans cette guerre spirituelle. Call upon your God that you serve. Appelez ce Dieu que vous servez. And when God arises, et quand Dieu se lève, every enemy, chaque ennemi against your life, contre vos vies has to be scattered, doit s'éteindre. Contre tous ceux qui vont contre vos familles, against your marriage, contre votre mariage, against your children, contre vos enfants, against your finances, contre vos finances, against your ministry, contre votre ministère, against your church, contre votre église, that God will put them to flight. Dieu va les sortir, va les faire But sortir you, de là. Mais vous must devez pray. Prier. I don't have time, but every time, je n'ai pas moment, mais chaque fois. Si vous êtes un étudiant, si vous étudiez la parole de Dieu, you will discover, vous allez découvrir that every time God wants to do something on the earth, que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre, he would look for a man and find a man. Il va chercher un homme et il va trouver un homme pour le faire. John Wesley said it like this. John Wesley a dit, God without man cannot. Dieu sans. Sorry. Man without God cannot. Thank you. Okay. L'homme sans Dieu ne peut rien faire. And God without man will not. Mais Dieu sans l'homme ne fera pas. That's the best way I can say it. Say it again. Okay. Man without God cannot. L'homme sans Dieu ne peut pas, ne peut rien faire. God without man will not. Mais Dieu sans l'homme ne le fera pas, ne fera rien. Because every time, parce que chaque fois, there is a move of God. Que Dieu bouge, que in Dieu avance, scripture, dans l'évangile, dans la parole, c'est à travers un homme. It teaches me something. Cela m'a appris that we are in partnership. Que nous sommes partenaires with a great and an awesome God. Avec un super génial and Dieu. If we want to see a move of God, et si nous voulons voir que Dieu bouge in the earth, sur la terre, in our life, dans nos vies, in our church, dans nos églises, in our nation, dans notre nation, in our community, dans notre communauté, in our ministry, dans notre ministère, then we must activate, nous devons activer and engage et nous engager in spiritual warfare. Dans la guerre spirituelle. And lastly, et dernièrement, I'm reminded about one of my favorite heroes in the Bible called David. You all know David? Je vous parle d'un héros, mon préféré dans la Bible, David. Vous connaissez David? The Bible said when David was anointed to be king over Israel. La Bible dit quand David a été oint pour devenir le roi d'Israël. His enemies came up against him. Ses ennemis sont venus contre lui. You'll miss. I'm going to try this side because you'll have to learn to read your Bible. Non, je vais aller par là parce que vous devez apprendre à lire votre Bible. The Bible says. La Bible dit là. David was anointed. David a été oint. David was anointed. Il a été oint to be king. Pour être roi. And his enemies came against him. Et ses ennemis sont venus contre lui. You're telling me, you all better move on to say, all right, I'll take a bit. In other words, the enemy had no time with David. L'ennemi n'avait pas le temps avec David, non? But the moment he was anointed, mais au moment où on l'a oint, the enemy came against him. L'ennemi est venu contre lui. The enemy had no time with people who are not anointed. L'ennemi n'a pas le temps, il n'a pas de temps et puis moun ki pa ouin. Because you are no threat to his move. Parce que vous n'êtes pas une menace pour lui. You are no threat to his kingdom. Vous n'êtes pas une menace pour son royaume. But when the anointing of God, mais quand l'onction de Dieu upon your life, vient sur votre vie, and you have been marked by God, et que vous avez été marqué par you Dieu, have an assignment upon your life, et que vous avez une destinée dans votre vie, and you are a man or a woman of prayer, et que vous êtes un homme ou une femme de prière, that is when the enemy c'est à ce moment que l'ennemi vient vers contre vous. But the Bible says, mais la Bible dit, when the enemies came, quand l'ennemi est venu, David inquired of the Lord. David a crié à l'Éternel. And the Bible says, et la Bible dit, that they went down into Baal Perazim. J'ai pas compris. I did not understand. That's your place in the Bible, Baal Perazim. I can't change. Baal what? Baal Perazim. Baal Perazim.
Peridza. Quand David est allé à Baal Peridza. That is where David defeated his enemies. C'est là qu'il a combattu l'ennemi. And the Bible teaches us something very powerful. Et la Bible nous parle de quelque chose de puissant. You got to learn to read your Bible. Vous devez apprendre à lire l'autre. The Bible says. La Bible dit. That the first time David defeated his enemies. Que la première fois que David a vaincu son ennemi. He took up the gods of the Egyptians. Il a pris les dieux d'Égypte. And threw it away. Et il les a jetés. You all miss that. Say you all miss that. Vous avez pas compris ça. I'll try it again. Je vais essayer encore. Wherever his enemies came from. Quel que soit l'endroit où venait leur ennemi. And wherever David came from. Et quel que soit l'endroit où David venait. When they met in Baal. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Baal, par exemple, à cet endroit-là, God fought for David, et que Dieu s'est battu pour David, and gave him the victory, et qu'il lui a donné la victoire, David a pris the gods of the Egyptians. Les dieux d'Égypte, les faux dieux. You're still missing it. I need to explain everything to you. That's all right. That's why I'm here. Je vous ai pas compris. Je vais expliquer. Which means. Ce qui signifie. That the Philistines, que les Philistins carried their God in the battle with them. Les Philistins ont emmené leur faux dieu dans la bataille avec eux. Likewise, ce que signifie, we must carry our God before us. Que nous aussi devons emmener notre Dieu avec nous. That's what Moses prayed. Et c'est ça que Moïse a prié. Moses said, if you don't go for me, Moïse dit, si tu ne vas pas pour moi, je ne vais pas bouger. Si tu ne vas pas pour moi, Éternel, moi, je ne bougerai pas. That is what prayer is. Et c'est ce que la prière prayer est. Is God sending ahead of you. La prière est, veut dire, va avant, Dieu, va avant, va devant. To make every crooked path straight. Pour que tu puisses arranger toutes les choses. To bring every high mountain low. Pour que toutes les montagnes deviennent basses. And to give you the victory over your enemies. Et pour donner la victoire sur l'ennemi. Because I discovered. Parce que j'ai découvert. You see when nations fought against nations in scripture? Vous savez dans les écritures quand les nations se battent contre les nations. You're getting real extra tonight. That's all right. Vous avez vraiment de l'extra. Il vous donne du plus ce soir. When nations fought against nations in scripture. Quand dans la parole les nations se battent contre les nations. That battle was really not against nation against nation. Ce n'était pas vraiment des batailles de nations contre des nations. It was against God against God. C'était des dieux contre des dieux. Because every time the God of Israel would win, be victorious in a battle. Donc parce que chaque fois que le Dieu d'Israël était victorieux dans une bataille. The Bible says other nations would fear the God of Israel. La Bible dit que les autres nations avaient peur du Dieu d'Israël. Not Israel. Ils n'avaient pas peur d'Israël. Ils n'avaient pas peur du peuple d'Israël. Mais ils avaient peur du Dieu d'Israël. And ever so often you would read. Et vous lisez plusieurs fois. They saw. Ils ont vu le Dieu d'Israël était en train de se battre pour eux. Et c'est ce qui se passait dans les batailles de l'Ancien Testament. Ce n'était pas des nations contre des nations. C'était des dieux, c'était Dieu contre des dieux. C'est pour ça que je ne pouvais pas comprendre quelque chose. Have you ever thought about a simple way out for Israel to go free from bondage? Est-ce que vous ne pensez pas à un moyen un petit peu simple pour que Israël puisse sortir de l'esclavage? What's a simple and easy way out? What's a simple way out? Moses was supposed to be the next pharaoh. Alors, Moïse était censé être le pharaon suivant. Pas vrai? Why couldn't wait till Moses become Pharaoh? Pourquoi Dieu n'a pas attendu que Moïse devienne le pharaon? Then reveal to Moses who he was, a Hebrew of the Hebrew. Et ensuite il aurait révélé à Moïse qu'il était un Hébreu du peuple hébreu. And then Moses will have the authority. Et à ce moment-là, Moïse aurait eu toute l'autorité nécessaire. Let God's people go. Pour libérer le peuple de Dieu. C'était simple. Simple. Ouais. But God wanted to prove a point. Mais Dieu voulait prouver quelque chose, un point. God wanted to prove that he was the only God that is worthy and sovereign and has all power. Il voulait montrer qu'il était le seul Dieu
qui avait toute la puissance. Because what God really wanted, God wanted a showdown with the gods of the Egyptians. Parce que ce que Dieu voulait montrer, c'était qu'il était vraiment le Dieu. That's why every plague. C'est pour ça que chaque plaie. Wasn't random. Était au hasard. N'était pas au hasard. It wasn't random. It was organized. It was selective. C'était organisé. C'était sélectionné. Sélectif. Because in Egypt. Parce qu'en Égypte. Everything was a god. Tout était un dieu particulier, le dieu de ceci, le dieu de cela, le dieu de ceci. So God sent in the plague because the first time Moses, parce que la première fois que Moïse a met with Pharaoh, a rencontré Pharaon, he threw down his staff, il a lâché sa canne, it became, c'est devenu un serpent. And then Pharaoh laughed. Et Pharaon a ri. Because his magicians did that also. Parce que ses magiciens faisaient ça aussi. So you see that every act of God with the plague. Donc vous voyez que chaque action de Dieu avec les plaies d'Israël était une bataille contre des dieux, des faux dieux égyptiens. Every plague God sent. Chaque plaie que Dieu a envoyé was to contest the gods of the Egyptians. Était contre un dieu égyptien. To prove that there is no other god but the God of Jehovah. Pour prouver qu'il n'y a aucun autre dieu que le dieu de Jéhovah. That's why God will allow some enemies to engage your life. Voilà pourquoi Dieu va permettre à certains ennemis de vous toucher. That's why God will allow some enemies to surround you. Voilà pourquoi il va permettre à certains ennemis de vous entourer, encercler. To know that you don't have what it takes. Pour leur montrer, pour que vous puissiez voir. To fight this battle by yourself. Que vous ne pouvez pas vous battre tout seul. But to rest solely on who God is. Mais que vous ne pouvez, vous devez vous assurer, vous mettre avec Dieu. That when you get the victory. Parce que quand vous aurez la victoire, vous n'allez pas dire, ah, c'est moi qui ai tout fait pour gagner. But because of the grace and the power and the mercies of Almighty God. Mais par la grâce et la puissance du Dieu puissant. And that's the truth. Et ça, c'est la vérité. So tonight, donc ce soir, you might be surrounded by an enemy. Vous êtes peut-être encerclé par les ennemis. It might be an enemy of your past. C'est peut-être un ennemi de votre just passé. Like Israel. Juste comme Israël. Combien d'entre vous savez que notre chair vient contre nous, vient nous battre, notre chair. Let me tell you something, your greatest struggle. Vous savez, notre bataille la plus grande. It's not the devil. C'est pas le diable, non? Your greatest fight is not the enemy. La bataille la plus grande n'est pas l'ennemi. You see, you gotta think because vous devez penser. If it's the devil, parce que si c'est le diable, you could rebuke the devil. Vous pouvez chasser le diable. But you can't rebuke yourself. Mais vous pouvez pas vous chasser vous-même. You gotta live with yourself as long as you live. Vous devez vivre avec vous-même tant que vous vivez. And all of us have a history. Et nous avons tous une histoire comme l'Égypte. The world. Le monde, our sins, nos péchés, our devices, nos vices, as Paul would say, comme Paul dirait, the Adamic nature, la nature adamique, the old man, le vieil homme, devices, les vices, the alcohol calling you, l'alcool qui vous appelle, you say, come take a drink, come take a drink. Bien, prends-y là, bien, prends-y bagaille. The nicotine calling you ever so often. Le? Nicotine. La nicotine vous appelle aussi. Le come petit. take a pull. Ready. The woman, the weakness for sweetness calling you ever so often. La petite dame, doudou, vini, woman. Yeah, come take something, take a fling. Bien, prends-tu bail. We always have an Egypt. On a toujours. Israel, nous avons tous un Égypte dans nos vies qui revient après nous. What do we do when we are surrounded by our Egypt? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes encerclés? Pray. Nous devons prier. When you pray. Quand vous priez, you get victory. Vous avez la victoire. And tonight I want to pray for you. Et ce soir, je vais prier pour vous. That whatever enemy surrounding you tonight, que quel que soit le moment où l'ennemi vous encercle, that God will give you victory. Dieu va vous donner la victoire. But that's not going to work. Mais ça ne va pas marcher. Hein? Ah, somebody asked why. That's a very good question. Quelqu'un a demandé pourquoi. Parce que chaque fois that same enemy shows up in your life, que ce même ennemi vient dans votre vie, I will always be here to pray for you. Je ne serai pas toujours là pour prier pour toi.
My whole thesis tonight of this sermon. Tout ce que je veux vous dire, toute la thèse que je vous donne pour ce sermon, c'est de vous emmener dans un lieu de prière. That you have access to the same God. Pour vous dire que vous avez accès au même Dieu. That I have. Que j'ai, that your pastor has, que votre pasteur that a, Elisha has, que Élisée avait, that Daniel has, que Daniel avait, that the three Hebrew boys que les trois Hébreux avaient, that Paul had, et que Paul avait, that anybody have, que n'importe qui a. You have that authority today. Vous avez cette autorité ce soir. And I don't want to give you a quick fix. Je ne veux pas vous donner juste un petit... Je ne vais pas dire anti-bagaille pour, anti-zizim, anti-réparation, vite fait. I want to prophesy you into a better Je voudrais life. Vous prophétiser des choses, vous mettre dans une nouvelle dimension d'une meilleure vie. I want to prophesy that God will stir up your prayer life. Je veux prophétiser que Dieu va bouleverser votre vie de prière. That God will bring you to a place of prayer. Que Dieu va vous emmener dans un lieu de prière. That you yourself. Un lieu de prière où vous-même, will experience the power of God in your vous life. Allez faire l'expérience de la puissance de Dieu. And you don't have to depend on nobody. Vous ne devez pas dépendre sur qui que ce no, soit. No pastor, pas de no pasteur, TD Jakes, pas de TD Jakes, no Benny Hinn, pas de Benny Hinn, amen. No pastor Babouram, pas de pasteur Babouram, no other pastors in the house yet. Pas les autres pasteurs là. Although they have their place in the body of Christ. Ils ont leur place dans le corps de Christ, oui. But God wants to bring you to a place. Mais Dieu veut vous emmener vous dans that un lieu. Same God that they call upon. Que le même Dieu qu'ils appellent, c'est le même que vous appelez vous. Because that is what is happening to the church today. Parce que c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Encore une chose et je prie pour vous, je vous promets. God showed me this Dieu m'a montré ça hier. Dimanche. Quand j'allais à l'église, God rest something in my spirit, and I said that is Dieu a mis quelque chose dans mon esprit, sur mon esprit. God reminded me about il m'a Moses. Il m'a rappelé de Moïse. And the children of Israel were at the bottom of the mountain. Et que le peuple d'Israël était au pied de la montagne. And Moses went up in the mountain to meet with God. Et Moïse est monté sur la montagne pour voir Dieu. Have you ever asked yourself the question? Est-ce que vous êtes jamais posé la question? Why anybody didn't desire to go up the mountain? Pourquoi personne ne voulait monter sur la montagne aussi? That the same experience Moses had that they could have had. Pour qu'il puisse avoir la même expérience que Moïse. I know what you're thinking, but God said that after. Mais je sais ce que vous when he said, let no one come to the base of the mountain, that was after. Je sais que vous dites que Dieu avait dit de ne pas aller sur la montagne. And that's what Christianity has become to. Et c'est ce que les chrétiens sont devenus. The people of God always want somebody to go up to meet God for them. Le peuple de Dieu veut toujours que quelqu'un aille pour eux là-haut. And bring God back down to them. Et qu'il ramène Dieu pour eux en bas. Without realizing you could go up to the mountain for yourself. Sans réaliser que vous pouvez monter les montagnes dans tout seul chercher Bahayou. And the same glory Moses had. Et le même Dieu que Moïse est allé voir, tu peux l'avoir. The same glory was upon Moses. La même gloire que Moïse avait. That had to put a veil over his face. Qui au point où on devait mettre un voile sur son visage. The same glory that you and I could have. C'est la même gloire que vous et moi vous pouvez aller avoir. But we must be willing to go up the mountain. Mais nous devons vouloir aller sur la montagne. You can't experience the glory down here. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de la gloire en bas là comme ça. Mountain. Vous devez monter à la montagne experience the glory pour expérimenter la And that is my prayer for your life. Et c'est ma prière pour votre vie. I don't want to pray a quick fix for you. Je veux pas, m'a pas les prières anti la prière bas autres. I will pray God will stir you up for His glory. Mais je veux prier pour que Dieu va vous puisse God will give you an appetite. Que Dieu vous donne un appétit. For the glory of the pour Lord. Pour la gloire de Dieu. For the power of God. Pour la puissance de for Dieu. For the presence of God. Pour la présence for de the Dieu. For the manifest move of pour God. Pour la manifestation de Dieu. In your life. Dans vos vies. That's what I want to pray. Et c'est ça que je vais prier. And that will go way more longer. Et ça va durer plus longtemps que si je viens et que je brise l'ennemi, je chasse l'ennemi. Je peux chasser l'ennemi. Can you go home? Mais est-ce qu'il peut... Get up in the morning, forget to pray. Vous allez à la maison et puis vous oubliez de prier. Enemy come back. Eh bien, l'ennemi qu'a viré. I want to pray you into a powerful prayer life. Je veux vous emmener dans une vie de prière puissante. Where angels will begin to move. Là où les anges vont commencer à bouger.
glory of God will begin to show up. Que la gloire de Dieu va commencer à se montrer. Heal bodies begin, sick bodies begin to get healed. Que les corps malades commencent à être guéris. And if any demon show up, et que quel que soit le démon qui vienne, on va le chasser dans le nom de Jésus. That's the power that you have. Ça, c'est la puissance que vous avez, le pouvoir que vous avez, accessible à vous.